Il faudrait d'ailleurs qu'on rejoigne mais du coup notre dernier. Ah, je suis mort là tout à l'heure. C'est vrai qu'on est mort là tout à l'heure. Faut qu'on rejoigne notre balise qui est ici et il y aura pas mal de petits korogus à récupérer. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose ici d'ailleurs. Tiens, Raoro qui nous suit d'ailleurs. Elle est dans un différent rôle, ok. Nous étions leurs créateurs, mais leur connaissance était plus étendue que les nôtres. Et au final, nous avons beaucoup appris à leur côté. Je te conseille vraiment de leur parler, ils auront certainement des choses à t'enseigner. Ok. C'est bien ça. Moi, je récupère tout ce que je peux. Ouais, le game over, il est resté. Bon, je m'en serais bien. C'est pas moi. Hein. C'était comme ça avant que j'arrive. Hein. Voilà, voilà. Du coup, ils sont beaucoup quand même là. Oh, je trouve ça génial ces petites créatures. Tu ignores donc l'existence des artefacts sauna. Laisse-moi t'expliquer ce dont il s'agit car ils sont d'une importance vitale par ici. Ce truc vert que tu vois là, on appelle ça un artefact sonao. Celui-ci était une turbine. Il suffit de la frapper pour qu'elle active et produise du vent. Tu auras compris, les artefacts sonaux sont extrêmement utiles. Nous servons toute une variété d'artefacts selon nos besoins. Toutefois, l'utilisation des artefacts sonaux requiert de l'énergie. Une batterie, j'en ai une. Tu en as déjà une, c'est parfait. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne, ce sera plus sûr. Les batteries contiennent de l'énergie, ça on l'a fait tout à l'heure, très bien. Pas d'artefacts sonaux. En fait, tout l'épisode 1, enfin 2 de ce let's play où on a été effectivement... chercher le, enfin la zone de comment ça s'appelle, de froid, c'est là où on va aller maintenant. Donc c'est intéressant de savoir qu'on y allait plus tôt. Attends, par contre je récupérerais bien des lucioles, j'en ai pas récupéré tout à l'heure. J'en ai récupéré une seule, on sait jamais, ça peut servir. Ok. Du coup. C'est celui-ci. Ah, ça c'est vraiment la séquence de... C'est amusant parce que c'est la séquence qu'ils nous ont montré dans le fameux Nintendo Direct. Le fameux. Le fameux Nintendo Direct. El famoso. Est-ce qu'on peut jeter une luciole avec une flèche? Oh, c'est bien possible en vrai. C'est bien possible. Allez. C'était pas très droit ce que j'ai fait. C'est un peu de ma faute aussi. Ça passe quand même, ça passe. C'est pas droit mais ça passe. Voilà. Ça va. Tant que ça fonctionne, ça me va. Par contre, elle va se briser celle-ci. Je vais la balancer, les perrouilles. Ah, toi que. Attends, peut-être pas obligé de la balancer. Est-ce que je peux le mettre avec un pot? Bah oui, bien sûr. Ah, et ça se casse direct, par contre, qu'avec le pot. Okay. Évidemment. Et donc, ça garde quand même les trucs, hein, tu vois. Je comprends l'épicémie par les devs, ouais. Moi aussi, du coup. Ah, c'est pour t'éviter de tomber, c'est un peu gentil, tu vois. C'est sympathique. Beaucoup de champi tempo sur le début de cette game. Hein. Oh, le jeu a l'air de vouloir me faire passer là. Je sais pas. Si, ça va le faire. Je vais me faire avoir. Ouais. Oh!
Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Bon, du coup, par contre, faut que je redescende. Parce que... parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est en bas. C'était juste histoire de... Voilà. Ça passe. Je t'avais dit que ça passait. Alors par contre, je me demande ce qu'il y a là-dedans. Ça doit être une grotte encore. Waouh. Même pas. Ah, Korogu. Hop là, déjà 6 Korogu. Sur combien? 70 millions. Ah merde. Allez. Non, pas de bonus si t'as fait le premier. Hein. J'aime bien quand on trouve des Korogu comme ça. En plus, on en a 3 autres là qui nous attendent. On sera bientôt à 10 Korogu. Très cool. Attends, je regarde s'il n'y a pas les grenouilles là qui sont pas revenues. Il y a un truc là-dedans, non? Ah non. Parfait. Je me dis, vaut mieux aller voir dans les arbres, parce qu'ils nous cachent des fois des Korogu. Alors, c'est pas tout le temps, mais c'est vrai que certaines fois, ils nous le font. Moi, j'ai envie d'y croire. Ou des œufs, ce qui est très bien aussi, d'ailleurs. Ça me va aussi. Ah, tiens. J'ai envie d'essayer un truc. Attends, je vais essayer un truc. J'aurais tenté. Ah, je me dis, avec les Korogu, on sait jamais. En vrai, ça se tente. Oh merde. Allez. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu de bonus en ayant fait le précédent. On verra. On verra bien. Bon, ça va se casser de toute façon. Ah tiens, ça c'est pareil, ça augmente, ça monte des trucs d'amalgame, ça. C'est là d'où on vient. Là, il y a une grotte. Ça, c'est un kiff. Merde. Quel plaisir. Quel plaisir. Ok, grotte minière. On va aller voir ce qu'il y a dedans.
Ah ouais, c'est un kiff. Attends. Ok. Ça, pensez à utiliser ces trucs là, on avait dit. Il peut y avoir des trucs cachés un peu partout. Il va même dire que je peux allumer ça dans les grottes, je suppose. C'est ça. Oui, j'en ai, c'est bon. Le fer du mot sur un digue, mais c'est bon. Ok, on les trouve que dans les grottes, ok. Donc ça, c'est les grandes. C'est celles que j'ai mis. Oui, j'en ai. Ok. Et du coup, c'est cool parce que je peux vraiment les tirer, genre là-dessus. Ah, oh, c'est stylé quand même. C'est quand même vachement stylé. Rien que cet élément précis, c'est super chouette. Alors, sonium. Oh, ça, c'est une ressource rare alors. Aux usages variés, était exploité par le peuple des temps anciens, à la fois pour l'énergie qu'il procure et comme matériau robuste pour des armes et des armures hors pair. Ok, ça sert d'être un truc assez précieux. Question, il nous le stocke où? Artefact sono, plat. Matériaux. Non, dans les matériaux, ok. Alors là, je pourrais descendre effectivement en. En skate. J'entends une espèce de grenouille là. Ah, ça doit être par là. Attends, elle est où? Non? Ah, c'était peut-être pas ça alors que j'entendais. Alors attends, non, pas ça. Soit je vais prendre ça. Pardon, c'est du sonium, je compte raffiner. Si tu venais le prendre, je serais bien dans l'embarras. Du sonium, hein. Je sais pas ce que c'est. Minerai spécial qu'on trouve dans les profondeurs de la Terre, ok. Il est possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte, ok. Grâce au raffinage du sonium et sa reconversion, que notre société a pu connaître son essor. Au raffinage. Raffiner le sonium, il faut le faire fondre dans un fourneau, on peut ensuite le convertir en div. Oh, cool. Les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts. Bah, carrément. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sonium. Ah, ce sont des orbes d'énergie sonao, ok. Des cristaux d'énergie sonao qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous forme solide. Ok. Raffiner du sonium, c'est transformé en d'autres matériaux. Parle-moi des cristaux, ça m'intéresse. Les orbes, on sait c'est quoi ça sert. L'énergie sonao sous forme solide pour les batteries, ok. Parle-moi des orbes. Alimente les artefacts sonao, mais aussi les golems tels que moi. D'accord, tu peux t'en servir pour recharger ta batterie. Ok. Ah, je peux pas la récupérer, il veut pas. Ok. Ah oui, des coups, là je peux. Ah, attends, si j'en prends un seul pour voir. Trois pièces de ça, vas-y. Ok. Et d'accord, en fait, je peux lui récupérer Crystal Energy Sonao. Attends. Issu du raffinage. Permettrait d'augmenter la capacité de la batterie. Ah, augmenter la capacité de la batterie. Ah, ça m'intéresse par contre. Du coup, avec ça, d'accord. Attends, je veux tout. Attends. Incroyable ça. Ok. Vas-y. Du coup, on peut vraiment améliorer tous les trucs. Ok, et donc une fois que j'ai fait ça, je pourrais améliorer potentiellement ma batterie de... Ça va être trop cool ça.
trouve ça très stylé. Ah, il y en a plein d'autres là. Et on va les utiliser, on va les récupérer. Ah, je trouve ça trop cool. En fait, chaque pouvoir, chaque élément, ça a été complètement transformé par rapport à Breath of the Wild. Genre, maintenant il y a des éléments à récupérer dans le monde entier pour améliorer chaque petit élément de gameplay. Et c'est très cool. Ça donne vraiment envie de pousser et d'aller explorer finalement. Ah ouais, non, mais ça donne vraiment envie d'aller explorer. Écoute, je vais aller l'échanger encore. Là, je peux pas tout. Là, je peux pas voir pas énormément non plus. Il m'en reste deux. Bah, je prends je veux deux. Vas-y. Ok, là, j'attends le prochain raffinage. Ok. Et il faudrait que je revienne. Ah oui, mais du coup, ça a mis un point sur la carte, effectivement. Golem raffineur. Tu sais quoi, je vais quand même lui mettre un point. Point important. Je vais mettre un cœur. Non, je peux pas récupérer le sonem qui est derrière là, il veut pas que je le récupère. Hein. Il veut pas. Il est en train de le récupérer, de le raffiner, donc il veut pas. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, du coup, est-ce que je peux récupérer. Ne les prends pas s'il te plaît. D'accord. Aurais-tu par hasard oublié d'apporter des capsules? Des capsules? Ok. Enfin, des artefacts sur nos portables. Comme tu es venu me parler, je préfère t'en donner. Ok, turbine. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Il existe des artefacts sonores de toutes sortes. C'est très pratique, ok. Ok, donc il faut toujours regarder un petit peu sur soi. Ok. Garde bien en tête qu'une capsule sono, une fois sortie de ta capsule, ne peut pas être rangée à nouveau. Yes. C'est noté. C'est noté. C'est assez complexe sur pas mal d'éléments quand même. C'est assez complexe sur certaines choses, je trouve. Passer d'un pouvoir à l'autre notamment. Okay. Alors. Un seul devrait suffire. Hein. Ah, peut-être pas. Ah, je vais avoir le hockey, super. Ah, j'aurais pas dû le sortir. Ah oh, putain, je vais avoir le hockey. En vrai, si je le mets là, ça marche aussi, non? Normalement, ça marche aussi, non? Oh là, c'est tellement stylé. C'est juste tellement cool. La cloche du temps sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir, ok. Avec la même chantelle, nous savions qu'il était temps de se coucher, nous en serons assurés dans des preuves solennelles. Que notre vision sur cette île, je ne peux réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. Oui, monsieur. On est vraiment sur une autre partie en plus, là. Attends, il y a ce truc, là. Alors ça, je sais que c'est un espèce de système de gacha qu'on avait vu, que je trouve génial. Mais avant ça, je vais juste récupérer ça. Je peux pas faire ça comme ça. Ouais, non. Ok. On va lui parler. J'attends Foxon à la merveille, le cycle du jour, capsule sono devrait être atteint. Utiliser le générateur. Ah, les cornes de golem, je peux les utiliser du coup. Ok.
Ok. Les capsules sont là, ok. Son artefact, on l'avait. Ça, il nous l'a déjà dit. C'est le matériau en réserve, je te recommande de le convertir en capsule sono pour en avoir toujours sur toi. Vas-y. Donc. C'est où? C'est où? C'est ça là. C'est ça. Waouh, la vache, ça en fait beaucoup. Marmite de voyage, ça nous intéresse. Ok, d'ailleurs j'en remets 5, j'en remets 5 quand même, ça nous fera toujours des trucs en plus. On a quoi sur nous? Ouais, on a ce qu'il faut. 11 turbines, 8 marmites, 7 lance-flammes. Très bien. Vache! Oh, petit chat, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais attends, c'est un korogu, j'avais pas vu! J'ai perdu mon ami, c'est vraiment trop la poisse. Et tu peux me voir, dis? Ouais. J'ai un korogu, une fée des bois, mon ami et moi, on parcourt le monde. On parcourait et je l'ai perdu, ok? Attends, faut il faudrait que je le rattrape sans tarder. Je suis tellement fatigué, je ne peux plus bouger. Je dois pouvoir le porter à tous les coups. Ouais, je peux le porter, cool. Ok, attends. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon chariot ici. On va pas s'embêter à en refaire un. Il est mignon. Attends, doit y avoir un truc en face. Doit y avoir un truc en face ici aussi. Tu vois la grotte minière, c'est pas fini, il reste un truc dedans. Alors la petite quête trop choupie, on va la faire après. Parce qu'en fait, mais du coup là, non mais il doit y avoir un truc dans la grotte en dessous. Parce que ouais, non, mais la grotte en dessous, c'est pareil. Attends. Regarde, grotte minière. Ah, donc c'est la même ici. Et qui a pas été finie, j'ai l'impression. Ah oui, on était déjà venu là, tout à l'heure. Ouais, il faudra que... Bon, attends. On va aider le korogu, déjà, dans un premier temps. Il faudra qu'on retourne dans la grotte minière. Il doit manquer quelque chose. J'ai dû louper un élément. Ok, bon. Alors, on va prendre le korogu avec nous. Je trouve ça trop chouette. Regarde ça. Tu le colles. Non mais j'adore. C'est beaucoup trop cool. Regarde. Ouais, ça doit être un coffre, un peu comme ça. J'adore. Je trouve ça génial. J'ai pas grand chose à te donner pour te récompenser. Et du coup, on me donne des noix de korogu comme ça, mais c'est incroyable. On n'est plus obligé de les récupérer de la même façon, les noix de korogu. C'est trop cool. Je trouve ça génial qu'il y ait des quêtes liées aux noix de korogu maintenant. Ah ouais, non mais là... Là, on est sur un truc de génial. Ils ont réussi à réinventer des trucs. Comment tu sais quand une grotte a pas été totalement explorée? Alors, quand une grotte a été faite, tu vois, regarde. T'as un petit tic dessus, là. Regarde, tu le vois. Et quand elle a pas été totalement explorée, il en manque un, tu vois. Ok, du sonium.
Ok, ah oui, il y a le truc là-bas. Oh bon, on va pas s'emmerder, hein. Merde. J'adore, je trouve ça tellement kiffant. Je trouve ça juste tellement kiffant. Ah merde, ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Ah, ça me l'a bloqué avec le truc là. Attends. Ah ouais. Bah sinon, je vais faire autrement, attends. Attends, je vais faire autrement. Alors je vais essayer un truc sympa, je vais essayer de faire un truc drôle. Parce que là, le truc il va tomber. Là ça passera pas parce qu'il va tomber, mais si je prends le crochet et que je le mets comme ça, au moment où ça va tomber, ça devrait la rattraper, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste pour tester la physique du truc, hein. Parce que normalement le chariot devrait tomber sur la droite, en toute logique. Donc normalement si je mets ça bien là. Attends. Oh non, quelle angoisse. Cette angoisse de truc. Là je vois plus où il est. Il n'empêche que c'est super complexe leur truc, hein. Mad MacGyver activé, c'est ça. On est en mode MacGyver. Attends. Parce que maintenant je sais que le jeu aime pas trop. Allez, c'est parti. Mais alors, mais non, du coup, non. Non, mais non. Attends, deux secondes. Mais non, en fait, tout à l'heure il passe pas. En fait, là, tu vois, là il y a deux espèces d'attaches qui fait que ça passe pas. Ce qui fait que je peux pas faire ça. Si je mets la turbine ici. Je vais essayer. On va voir. Moi j'aime bien essayer les trucs. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Allez, on tente. Ah bah non, bah ça passe comme ça sinon. Ok, c'était au cas où, tu vois. C'est passé. Ok, bon. J'étais pas sûr. Honnêtement, ça aurait pu ne pas passer, mais tranquille. Moi ça me va. Ok, on voit très bien, écoute. On va pas s'en plaindre, hein. Ah oui d'accord, ça sonne à chaque fois qu'il y a le... Ok. Moi je ne m'en plains pas, hein. Les pommes m'intéressent ici.
Oh, je pouvais mettre plusieurs wagons aussi encore. Ouais. Plusieurs wagons, ça fonctionnait aussi. Ok, bon, je crois que c'était juste pour ça ici. C'est possible que ça soit avec le poids des crochets, ouais, que ça soit passé. C'est possible. C'est fortement probable. Et du coup, nous, on doit aller tout là-bas. C'est là-haut. Ok. Bon. Eh bien, écoute, regarde. Bam. Parfait. Ok. Eh bien, écoutez, on va faire ça au prochain épisode à ce moment-là.